Au début de la série, quelque part, même s'ils sont séparés, mais ensemble, ils souffrent quelque part encore des mêmes choses chez l'autre. Excuse-moi, je suis passée à la poste récupérer un colis. Il y a deux addictions qui se vivent. Un kit pour apprendre à tricoter que j'ai commandé sur Internet. Ça a l'air dément. Ouais, ça a l'air. Mon personnage, il a une petite addiction à la dépense, frénétique, pour sans doute nourrir un manque. Je vais avoir un café. Ah tiens, et moi, je vais te reprendre un petit calva, s'il te plaît. À 9h du mat? Oui, bon. Philippe est pris par ses démons de l'alcool et du laxisme. Ça me désespère de te voir t'abîmer comme ça, là. Ça va, Bouté, je m'en occupe, tu le sais. C'est la même conversation quand on était ensemble. Bouté, je m'en occupe, tu vas bien, je fais tout ce qu'il faut. Bon. C'est ça, sublime. Très bien. Et ça, c'est... ouais, excellent. Voilà. Ouais, extraordinaire. Ouais. On leur met une chaise à côté aussi. Oui. Allez. Hey. Ah, salut. Salut. Hey, si tu veux, je passe chercher Raoul et puis tu le récupères chez moi ce soir. Avec plaisir, ouais, merci. Ça marche? Super. Allez, ciao. Oh, il est tellement beau gosse, le père de Robinson. Il a cette espèce de course folle à l'amour. Ne pas vivre cet âge un peu délicat de la presque cinquantaine, seul. Le problème, c'est que je me sens seule comme un chien, mais que je vois pas qu'il va vouloir de moi, là. On essaie de soigner les névroses comme on fait dans la vie, finalement. Tout le monde essaie de soigner la névrose de l'autre sans s'occuper de la sienne. Sans y parvenir jamais. Sans y parvenir, parce que occupe-toi de la sienne d'abord. Bon, je te dis ton horoscope. Santé. Vous avez pris 15 kilos, mais ça vous va très bien. 10. 10. Ah, ils sont gourés de peu. Ils sont sans arrêt repris, et l'un et l'autre, par le manque de l'autre. Amour,